ويسي لا تسولين نزول ونصوفي سونس الفحضان بقال الدم لليد واني تمديت بسا تمديت بسا دنا وين اول كنسين ان بقاونا دنا وين اول السواطا سيدي وغال تجميد تي سادق هجرس يون وركاز مزرو يون وركاز ديد لا فوربي قال بكم ضيق هذا الرحمن عزيزين سيسمي وسيسم كم اكو سيسمي نبقى ون وذاك ون واش ولد هجرس هذيك ربي جاس ندير الفراكو وصداقة ديري كم ضيق هذا الرحمن عندنا وين غوال تجميد وذا انا وين غوال غاف ثمد ياس وذا انا تيكد غوال المدى وين غاف لونيس اث مانجلاد وذا يريد كيدنا ديال بلاطو يون ذا ميارو يون نتقدر

يلحق الدو سالي سرق هجر وسط في السياف والحمد لله وين تصند مليح يمين خلطه السواطاس دارك زوم زروي دارك زعلا تيك نتسرتيت اول تجميتها في صادق هجر بون ثم زوروث جو بريزونت مي كوندوليونس يعني لي بليز اتريستي ا سا فامي ا سا فام اي سيز انفون اي ا تو سي بروش فوالا الوغ صادق هجر الدنيا غسلخ ذاك كيني لها طا سيتي السنان هو امم. كي سي السنان. بون دونك سنخ شويه. السنغال كاين. اااا نحي السنغ جمعه ضحكوا غير نحي السنغ. اها. ااا صدق حاجة السنغ سم اللي للباكس ااا يونو فيفاريك الحون ديال سرية. اااا سم زواري فيد ملالا من الخفيد قيوس 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 نجمع كلها سرية.

<muchempe> mais euh, avec des pseudonymes. Khadjra, tu peux le carroiser, mais <muchempe> tu ne sais pas que c'est lui, parce qu'il va se présenter à toi avec un pseudonyme. Donc on ne te le présentera pas comme ça c'est impossible. Donc il est possible qu'on l'ait carroisé, mais euh, on ne sait pas je parce que je fais qu'un de Goodman quand on a fait la réunion avec les syndicalistes du PEX à euh, il était venu mais on ne savait pas qui c'était aucun d'entre nous ne savait que c'était cette grande peut-être la direction Zoran la direction Zoran mais nous nous Zoran parce qu'il s'est présenté avec un pseudo donc nous Zoran avec une nous Zoran c'était un membre de la direction vaguement on est Zoran donc, c'est euh, la première fois. On après, il y a cette rencontre qui est à travers les cassettes. Il y a des discours dans les cassettes. Donc, il y a des discours dans des cassettes. Il y a des conférences. Des fois, il nous fait des conférences. C'est comme on le connaissait. Ah, pareil, il y a une force de l'égalité. Il y a une force de l'égalité. Dans la suite de la, de la légalité, bon, ce euh, euh, c'est-à-dire euh, euh, on avait quelques frictions quand même sur le plan politique, il faut le dire, vraiment, oui. honnêtement. Euh, c'est un, euh, cet adressé est un grand homme, euh, c'est quelqu'un qui a traversé une, une bonne partie de l'histoire euh, politique de, de, de notre pays. Euh, C'est quelqu'un qui a énormément, c'est-à-dire euh, euh, qui s'est sacrifié pour son pays, a donné euh, évidemment euh, euh, le militantisme très jeune, jusqu'à son dernier souffle, il n'a jamais cessé d'écrire, de, 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 de militer, etc. Euh, C'est quelqu'un qui est euh, un grand intellectuel aussi, hein, euh, qui fait des articles ou qui, qui, qui des livres qui ont quand même qui sont d'un niveau intellectuel voilà uh, très important c'est un médecin aussi il faut pas l'oublier donc c'est un peu je voudrais donner il a question de 1940 un médecin il est du même un petit peu des de la même famille que Ahmed Wiyad ou quelque chose qui nous rend plus mortel il y a une dernière, enfin tout à l'heure on va raconter mm -hmm. sa, sa vie, donc après la légalité, parce qu'il habitait chez moi, à un moment donné, le PAX était en, en crise, et ça, il s'est, il a pris la direction du PAX, et il est venu habiter chez moi pendant un certain temps. Mm -hmm.

et je suis triste justement euh, à Chemi parce que ce manni manni sana nidal manni nesna le kiffah bqat pratiquement en 1944 il goudan il a commencé à militer il était très jeune il a commencé en 1944 donc 78 ans khalas manni nesna as-sakeed thmourt d'Alger auprès des jeunes n'est pas connu c'est une tragédie c'est une tragédie pour moi pour moi, la, la, voilà, la, la plus grande perte de repère Ville c'est de ne pas connaître des gens, des militants de l'envergure de Sadh Khajaras. Sadh Khajaras, d'abord, c'est un militant nationaliste, l'un des premiers militants nationalistes, en 1944 quand même, il était engagé. En 1947, en il a fait quand même un livre qui est très important, l'Algérie libre vaincra, il écrit un sous le pseudonyme Iderloatani. Ider euh, la, cri la crise, ce qu'on appelle d'ailleurs, lui, lui, lui il, a, il, a, il, a, il a toujours contesté le terme de crise berbériste dans le mouvement national. Ça, euh, il a fait partie des gens qui voulaient justement. Parce que le, le PPA, c'est un parti quand même euh, centralisé, c'est un parti très difficile, c'est un parti stalinien le PPA, il faut l'avouer. Sadar, c'est lui qui a voulu introduire un fonctionnement démocratique à l'intérieur du, du PPA. C'est lui qui a demandé est-ce que ce soit un parti pluraliste, qu'on introduise la dimension culturelle. C'est à partir de ça justement, on a commencé à les attaquer sur le berbérisme. Alors que le berbérisme, mm -hmm. en fait, c'est une crise qui n'existe. C'est une crise factice qui a été, la Sabine et qui a été fabriquée par la direction du PPA pour écarter un certain nombre de, de, de jeunes militants fougueux, actifs et tout ça. Et, et ce qui le distingue de beaucoup de gens, parce que les Dilzeer, les ont politiques, responsable responsables politiques, les mais les gens qui produisent de la pensée politique, les théoriciens, qui ne connais pas connais très peu, mais en plus d'être un militant, c'est un intellectuel, c'est un très grand intellectuel. Donc, qui a produit, qui a nourri de la réflexion, qui a écrit et tout ça. Tout là, évidemment, les opinions. Mm -hmm. euh, c'est un militant du Pax, qui n'ai pas, pas été militant du Pax. il a été militant, il Isarid, c'est tout ça. Les opinions, elles peuvent diverger un mot ou un autre, mm -hmm. bien sûr. Il y a des gens qui reprochent à, à Sadr Hajar de s'être rapproché un peu des islamistes. Enfin, on peut en discuter. Si c'est vrai ou c'est pas vrai, on peut en discuter. Mais en tout cas, euh, c'est un grand, c'est un grand homme, un grand militant, un grand, il a été un grand responsable dans à la fois dans la clandestinité de la révolution, dans la clandestinité de l'indépendance puisqu'il était au PAX, et puis c'est quelqu'un. Donc en plus d'être militant et responsable politique, c'est un grand homme de réflexion. Donc mmh. voilà, je voudrais dire. Et c'est triste qu'il ne soit pas aussi connu que ça. Ça, m, ça m'afflige. Alors comment expliquer justement bahna Chouragh le que c'est un intellectuel qui c'est un homme politique c'est un homme historique et ça a plusieurs facettes c'est quelqu'un c'est quand même des réflexions sur la situation politique même même sur le plan international est-ce que un carara نغ نسان ان بروبليم نخدم الزر في مالنا ه... في كولونا لامبرسيون كوميديتي كومونيست دونك اون قرارا اون تقري ندير روغور على حسابي كتشيني روغور سيزي كي لا انا دوبي 1930 دريني نزرى بلي كي مرسلنا الموفمون ناسيونال ام كي دي بدا يفو دير سو ايديولوجيك اي تي بوبوليست سي سي البوبوليزم Et donc, qu'est-ce que ça veut dire le populisme Ça veut dire euh, qu'on a privilégié, qu'on a... Euh, favoriser, si vous voulez, la parole euh, euh, qui n'était pas intellectuelle. Euh, C'est la parole, c'est-à-dire, triviale, euh, le slogan, euh, on parle mais est -à on est en train de le vivre, euh, mais on n'avait pas... On n'avait pas privilégié, d'une part, et on n'a pas privilégié la, la réflexion, la, les, les intellectuels ont été marginalisés, les guetans ont été marginalisés en tant qu'intellectuels, Deuxièmement, dernier, il y avait un anticommunisme primaire qui était euh, enraciné dans le mouvement national. Et cet anticommunisme primaire a fait des ravages puisqu'il a amené jusqu'à l'assassinat des communistes pendant la guerre qui étaient des mudjahides. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, euh, c'est tout ça qui a fait qu'on a marginalisé. En plus de ça, dernier, on a marginalisé avec la prise du pouvoir en 62 par l'armée la, euh, des frontières. On a marginalisé toutes les, les grandes personnalités de, 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 de la guerre et d'avant-guerre. Mm -hmm. Donc on les a marginalisés, Un Red Bundien, comme Asténaud, euh, qui, 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 qui décrochait la guerre et, et l'indépendance, etc. Donc il fallait marginaliser tous les autres. Donc cette Khajas, il avait les trois critères pour être complètement marginalisé. Il était intellectuel, il était communiste, et c'était un, un, une personnalité importante de, de la guerre et d'avant-guerre. Donc voilà pourquoi on l'a marginalisé. Et il n'y a pas que lui, il y en a d'autres mm. qu'on a aussi marginalisé au même titre que lui. Enfin, je dirais que c'est un, une grande personnalité. Euh, pour revenir un truc en ce qui me concerne, qui n'est pas de ça bien, mais je dois souligner aussi et je vais terminer avec une petite leçon pédagogique, si je peux si uh -huh. me permettre. Euh, je n'ai jamais partagé toutes ses opinions. On a toujours eu des divergences. Mais on a gardé toujours des relations courtoises, de respect. Euh, même plus que ça, on est un peu amis. Mais tout en, en ayant des divergences politiques. Euh, la, la leçon que je voudrais do donner à ceux qui nous écoutent au euh, c'est que les gens confondent aujourd'hui la divergence qu'on peut avoir avec euh, un ami, un camarade de parti, etc. Dans les partis, il y a des divergences. Hein. Mm. Ouais. Euh, euh, ils confondent la divergence avec euh, la diversité, hein, qui est une, une autre, euh, une autre euh, dimension, et qui confondent aussi la diversité avec euh, un rapport D'ennemis. Alors, quand tu es un, un adversaire politique de, euh, de quelqu'un, ça ne veut pas dire que c tu es ton, son ennemi, alors qu'il est ton ennemi. Ça veut dire qu'il y a des intérêts divergents, euh, divergents ou opposés, même. Mais le combat reste au niveau des idées. Il reste au niveau des idées. Euh, quand on a des, des divergences au sein d'un parti, on est du même parti, on a les mêmes, euh, la même vision qu'on est.

مي وين نقبل راه ام جارد تكتي وين يتروحو غور سيف يتروحو غور لافيولونس يتروح الناس والناس تنمي اي لي جون كونفوند بوكو كيني بار اكزومبل سيت قاجا توريني دل غاشي يدس فهمت دونك توريني جسم تي كول تو هي من موالين بلي كيدس وانت مش فاهم راه غوينيان انت سرتيس ولاش الوهم شغل هكا ذاين سي ناتوريل سي نورمال c'est normal parce qu'une chose Skadarci en tant qu'être humain en tant qu'un grand militant une grande personnalité historique et on a toujours été dans des rapports très très courtois voire amicaux mais il a ses positions j'ai les

سكين با انا لاكو نث مازال اونكور ريسنا شو مقارتي سرتي ريسنا شو مقارنا نث الحرمان القدر دونك وناس اوتر شوز ذا غني قد نيني مثيل ميم دون زان ميم بارتي نيغيك تسمى كارات انت تكتي وين باغ اكزومبل سو لي كيستيون استراتيجيك ادينا كيني انا باغ اكزومبل كيني افيك صدق حجرس جي جامي تي داكور Euh, sur sa conception, euh, sur, 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 sur la stratégie qu'il qu prenait au, au sein du PAX. Mm. Voilà. Mais ça n'empêche pas que je partage aussi de beaucoup, beaucoup d'autres choses avec lui. Vous avez dit qu'à un certain moment, il y a un certain nombre que choses qui sont les responsabilités d'un parti. تي <applause> كوالي ساعه كان حوايج جيسكي تا دي كونفي دي شوز جيسكي نيك يخدمها كسي نيو الناس زمان يحس في لا دو بارتي لي بوزيسيون دو بارتي خاطر انا تيك الباكس ان سارت مومون لو كي قال السوتيان كريتيك شو ولا ما كانت دام بوم ديان كل واحد اسك تي كوال بوليتيك كي ساعه كي كان دو ريكيري كي نبليك دا كان الشون دا كان Euh, voilà, tout, ça, tout le problème, il est là. Enfin, les leaders politiques, les, les responsables des partis politiques, généralement, ils ne savent pas ce qu'une l'autocritique. Qu ils ne se, se remettent jamais en cause. Ça, c'est d'une part. Même si leur politique a échoué, même si euh, ils ont fait des erreurs, jamais ils le reconnaissent. Et là, Marouakine, un leader algérien qui, qui reconnaît que c'est forte. que ça n'existe pas. Donc ça, c'est un grand défaut chez nous. Donc, la. ce C'est un Kiné, justement, dans un contexte où il y avait la préestroïka en, en, non, URSS, non, en URSS, URSS. URSS et la Glasnost. C'est mal, avec effectivement. Gorbachev. Donc, dans, à, la, à la période de Nid, c'est tout le mouvement communiste international qui était en crise. On cherchait qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il euh, y a une mutation de de, de de la doctrine socialiste est ce que euh, quelle est cette nouvelle situation euh, du monde qui, qui, qui vient apporter maintenant des, des voilà des ruptures des, euh, au sein du mouvement communiste etc enfin quel est, quel est le rapport avec la les sont' avec la situation algérienne en algérie euh, les retombées euh, sur le parti, euh, les partis communistes, notamment algériens. C'est des questions qui, qui nous taraudent l'esprit. Vital pour un parti. Euh, pour vital. Un vraiment. Et quand je lui posais les questions, quand on lui posait les questions, je n'étais pas le seul à lui poser des questions, il y en avait, avait d'autres camarades qui étaient aussi avec moi, et il ne répondait pas. En fait, je pense, c'est-à-dire, entre guillemets, je pense qu'il était dépassé. Non. Parce qu'il avait suivi une ligne politique à laquelle il croyait en dur comme fer et puis à un moment donné il y, euh, cette ligne politique a montré euh, ses limites. La mmh. a, ses limites et elle a fait faillite et il fallait des réponses je crois qu'il les avait pas il les avait pas, voilà. pas c'est il... quand même c'est un type intelligent quand même oui donc il a manqué de souplesse d'esprit euh, à ce point, il ne s'est pas remis en cause du moins, euh, du moins, ce que je peux dire, c'est-à-dire, ouais. je, 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 ouais. je, je me fonde sur euh, des faits. Sur des faits, c'est-à-dire qu'il y a eu un débat au sein du parti. C'est un débat public qui a été publié dans, par, par l'organe central euh, du parti, c'est-à-dire Sao yeah. Il y avait un débat public. Il ne répondait pas. Il ne participait pas au débat. Alors que les autres avaient déjà leur leur vision de la situation et des perspectives, et ils les ont mises sur sur papier et diffusées publiquement. Lui, non. À l'époque. Donc. Mais malheureusement, c'est que peut-être il a initié un débat, dit que les militants ont vraiment voulu dire que c'est mauvaise. Mais qu'est-ce a dit, malheureusement, qu'il a dit qu'à c'est l'un des rares partis politiques qui crée une formation politique pour ses militants. Mais tout à fait. En fait, le, le, le Pax est un parti. Alors, il y a le Pax et le FFS, c est, c est... qui sont les anciens partis d'opposition. Mais ils sont différents. Le FFS et le Pax sont très différents. Le FFS, alors déjà, le ffs c'est un parti. Euh, qui s'est opposé par les armes au pouvoir euh, en 62 C'est un parti qui est malheureusement, euh, comment dire, concentré en Kabylie, alors que le Pax, il est numériquement, je ne sais pas, personne ne peut dire, hein, je ne sais pas qu ce qu'il pesait numériquement le Pax, mais en termes d'influence, il faut retenir, en termes de pensée, le Pax était très influent. Donc le pouvoir était très sensible à ce que pensait le Pax. Et... Parce que c'est normal, parce que c'était dans le, le mouvement communiste mondial et tout ça. Donc le Pax était, était quand même euh, arrimé à, à ce mouvement euh, communiste mondial. Donc le pouvoir en Algérie, il était très sensible à ce que disait le Pax. Et d'ailleurs, s'il a accepté le soutien critique du Pax, il y a Il y a et en même temps. Donc c'est donc ça la différence entre le Pax et les autres partis politiques. Donc c'est un, un ancien parti. Il a, pratiqué, il, a, il a su pratiquer la clandestinité. Donc là, on se pose à la question, Hachimir, l'ouest des fois de la légalité, donc en 1989, donc le, le Pax, quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège, le Pax, on, tout le monde parlait, entendait parler du Pax. Déjà après le coup d'État de 1965, c'est le Pax, euh, le Parti communiste qui a payé, donc la création, donc tout le monde entendait parler du Pax. Hachimir, chimie en 1989... Quand euh, le multiparisme a été reconnu, quand le pacte a été reconnu, finalement, il ne s'est pas déployé à la mesure de son influence, de l'influence théorique et politique qu'il avait. C'est une grande question, Est-ce que Et justement, et en plus, il a des dirigeants importants, des dirigeants. Comme Hajaros, comme Heshmishirif et comme d'autres, je ne vais pas les citer l'un après l'autre. C'est, pour moi c'est une énigme. Mais je ne ne s'est pas déployé, à la mesure de l'influence qu'il avait. Est-ce que c'est un l'ancrage dans la société oui, il avait un ancrage certain. Simplement voilà, à ça ouvre les portes d'un débat. parce que les quatre ou les quatre dans le cinéma, ça ne se ne se euh, on va pas aller loin, mais brièvement, il ah. y a un paradoxe, nord, Tu vois, justement, sur les deux partis, qui qu'Amar euh, vient d'évoquer. Euh, Alors, l'FFPS et le PAX. PAX, c'est un parti, quand même, qui est issu du PCA, qui a gardé son autonomie par rapport au FLN. Il ne faut pas l'oublier et qui était un, euh, le plus vieux parti d'opposition, en fait, c'est le, le PCA, avant le, le FFS. Donc, euh, il a gardé son autonomie, il était dans l'opposition, formellement, peut-être, mais euh, il était réellement dans l'opposition, dans le sens où il a toujours essayé de susciter des dynamiques qui euh, dépassait le pouvoir, qui euh, 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 du moins euh, à sa gauche. Euh, donc euh, c'est d'une part. D'un autre côté, nous avons le FPS. Le FPS, c'est un parti qui est issu du FLN. C'est une branche du FLN, c'est qu'il ne faut pas l'oublier aussi. Normal. Mais aussi qui s'est positionné contre le, le FLN historique. La, 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 regarde bien, regarde bien. Même après 60 arrois, il y avait des gens qui ont fait 60 arrois. Beaucoup, après, se sont retrouvés au FN. Ils sont. J'en connais pas mal de militants du FFS de 60 arrois qui se sont retrouvés après au FN. Parce que c'est euh, le, euh, 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 par leur identité, ils pouvaient être que FN. Et aussi par aussi, le, 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 le soubassement sub idéologique. Euh, Qu'il y avait une, euh, euh, au sein du FLN, c'était le, le populisme. Et dans le, le FFS, on le retrouve, le même populisme. Donc, c'est un, un petit, un, un fils naturel du FLN. Et c'est pour ça que dans le, dans, le, dans, le, dans le FFS aussi, il y a des contradictions. On trouve beaucoup de contradictions. Il y a des gens qui sont vraiment... Euh, avec des nirs, euh, euh, qui ont toute une, une manière de voir le pouvoir mal, qui, est, euh, euh, qui relève d'une opposition radicale, etc. Il y a des gens qui sont plus ou moins. Euh, à Sagi, il y a beaucoup de gens qui s'étonnent pourquoi des gens du FFS euh, font des compromis avec le pouvoir. C'est normal, parce sais. que c'est des contradictions internes du parti. Qui, qui, historiquement, il a porté ces contradictions. Mal. Mm -hmm. le, le Pax Kif-Kif, en fait. Le Pax, même s'il si est issu du PCA et qu'il avait gardé son autonomie par rapport au FLN, à l'intérieur, il y a le problème. Le Pax, c'est qu'il y a une idéologie néon. C'est une idéologie dite communisme, entre guillemets. En fait, c'est le progressisme oriental. Euh, C'est-à-dire, c'est il était toujours sous l'influence du progressisme d'Orient. Et pas sous l'influence du communisme international. Toute la différence, elle est là. Mmh, mmh. Parce que euh, c'est pour ça que même le marxisme, au sein du Pax, n'est pas assumé à 100%. Mmh. Tout son aspect, euh, l'aspect philosophique du marxisme, est un petit peu rejeté. On ne nous fait pas de formation sur euh, la philosophie marxiste. C'est comme ça que ça se passe, y compris au Moyen-Orient. Parce qu'au Moyen-Orient, on considère que euh, la philosophie marxiste doit être remplacée par l'islam. Et c'est pour ça que Dagir dernière, les communistes chez nous, ils parlent d'islam progressiste. Voilà. Et donc, tout, tout, quand, quand, quand tu es communiste et que tu rejettes tout l'aspect philosophique du de, 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 marxisme, est-ce que réellement tu es communiste Ben non. Mm -hmm. euh, tu, tu es un progressiste. Certes, parce que tu es, tu es porté sur une politique euh, sociale, etc. Donc, euh, tu te focalises sur le social, mais sur l'émancipation des esprits, tu ne fais rien. Mmh. Pas mal. Tu ne fais rien, ou alors tu admets euh, l'état de choses qui existent, c'est-à-dire euh, ce qui est établi par les rapports de force, c'est-à-dire il y a l'islam dans, dans ce pays, donc c'est le Justement, mmh. est-ce que c'est de cette lecture que découle. La position de Hajarus par rapport aux islamistes Absolument. Moi, je pense que oui, parce que Hajarus, c'est quelqu'un qui était très proche des ulemas dans les années 40. Il faut le savoir. Il a eu même euh, un petit problème avec l'Aïmèche. Hein, euh, en 40, quand Sad euh, Hajarus commençait à ramasser, les, euh, à faire une quête au profit des ulemas, n'était pas d'accord. Euh, L'Aïmèche, qui est un marxiste, Uh, assumé. Uh, Dernier, les, les fréquentations de l'époque, l'époque, il ne faut pas oublier une chose, euh, 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 il ne faut pas regarder l'histoire comme euh, avec les yeux d'aujourd'hui. Mm -hmm. Il faut re, euh, nous remettre dans le contexte. Et à l'époque, il faut savoir que l'idéologie arabo-musulmane, en fait, elle exprimait pour beaucoup, pour tous les euh, qu'ils soient communistes, qui soient... Euh, euh, nationaliste, etc. Et l'exprimer, euh, si vous voulez, c'était l'expression d'une renaissance de la civilisation arabo-musulmane, qui, qui, qui aurait été opprimée par l'Occident, par l'Occident oui. d'une manière générale. Et puis aussi, euh, c'est une, euh, une civilisation qui était porteuse de lumière. Voilà, pas les lumières. Euh, Occident. française, <laughs> française voilà. des, des lumières dans le sens ah, où clair. voilà dans le sens où il y avait voilà, de, 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 des arts qui étaient développés en fait on ça rapproche en fait on il y a eu le mouvement réformiste voilà en fait on pensait beaucoup à l'andalousie oui, c'est ça on pensait beaucoup à l'andalousie donc on pensait que de, cette andalousie là qui était le rêve ce qui était le, 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 le summum de la civilisation arabo-musulmane ça m'a étaient perdus ou opprimés ou oubliés etc. Maintenant il faut il faut que euh, travailler pour faire renaître cette civilisation. Et dans ce cadre-là, on a cru penser, on a pensé euh, que on pouvait se passer mm -hmm. de, de l'émancipation des esprits, c'est-à-dire de la philosophie marxiste, mal, euh, tu m'excuses, euh, pour euh, le remplacer par un islam.

Il y, a, il y a beaucoup de discours mais c'est des discours sur le même canal avec l'actualité avec la mais il n'y a pas d'affronter un nom politique c'est de des réflexions sa vision une, une projection à l'avenir peut-être cette chose il fait partie de de monatas des réflexions lui que il a fini quand même comme prof à l'université il était il était prof de géostratégie donc m m monsieur benouala Ouais. Ah ouais. <laughs> mais oui, mais ah. je À le les hommes politiques qui, qui produisent, il y a quelqu'un, on peut être d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui, euh, un homme politique algérien qui était, qui était présent dans le débat, mais on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, ouais, ouais. c'est pas la question. Mais quand même, qui portait le débat, qui animait, qui était un polémiste, c'est Nourdine Boukroua. C'est peut-être dommage qu'il qu ne soit plus. Bon, à ce moment-là, vous avez dû voir qu'il est aussi. Persécuté par, euh, mm -hmm. par les autorités. Donc, no, il, plus il avait un certain niveau d'ordre du Boukrou. Il est islamiste, ça, ça on ne va, va pas le contester. Ben ben c'est ben 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 oui, voilà, un adepte de Merk Bénébi. Oui, c'est un adepte de Merk Bénébi. Merk Bénébi, donc, il. C'est autre chose. On n'est pas d'accord sur autre chose. Mais quand même, il y a une production. Euh, Boukrou, dans les années 90, il, il, il a produit toute sa vie, il a produit jusqu'à jusqu récemment. Il a donc il a écrit ses mémoires. Il a produit. Téguérekir, Sèydi, Saïd il a écrit ses mémoires. le contenu chacun peut juger, peut analyser, etc. Bien sûr, je les mémoires, Vous mille, là, les, les moralistes ils ont toujours tendance à se moraliser, se Bon, ça c'est pas assez. Mais en tout cas, il y a de la production. Mais de quand on voit le nombre de dirigeants politiques, ici, le nombre de militants euh,

اذن بدا ولا في صدق هجر زمان دوله ولد في الحسين يتحمد ذويا اسك شغل ما كن روحان وغدنا نار كلش يا كيك شوز شغل ما كن شوك خصل وانا لامبرسيون لي زومي ستوريك خدمتي كو لوتو سونسور ما ننسى دي فيريتي ستوريك اللي قاتي سيدي مثلا اي لا ويا كي سي تو موفمون ناسيونال الجيريان اك دينار صح اي كونستروي سور لو بوبوليزم مي اوسي سور لو كولت دي سوكري Et parce que dans le, mouvement, le mouvement national étant un mouvement populiste, forcément, c'est un mouvement qui était fractionné, en vérité, sur le plan idéologique, sur le plan des intérêts, sur le plan de tout tas de, de choses. Et là, ça crée des clans. Et les clans, qu'est-ce qui se qu que passe quand il y a des clans eh bien, Les clans, c'est les, les coups bas. C'est les, les manipulations, c'est euh, voilà des, des trucs comme ça. Alors il y a des choses qu'on ne peut pas raconter, que les gens ne peuvent pas raconter, parce que ce ne sont pas des partis fondés sur la rationnelle, sur la rationalité, sur les vision rationnelle, sur des pratiques rationnelles. Il y a des pratiques aussi politiques chez nous qui sont des pratiques violentes. C'est très violente. Donc, ces pratiques violentes, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut les assumer 40 ans, 50 ans après Je ne suis pas sûr. Parce qu'il y a des haines, il y a des rancœurs. Et aussi, les gens changent. Euh, L'homme est versatile. Il y a des choses que je te reproche. Il y a des choses que je te reproche. Donc, c'est un peu aussi tous ces trucs-là, parce que nous avons aussi une société, hein, parce que le populisme, quand on parle de populisme, c'est aussi le produit de la société n'a. La société n'a est fondée sur ces choses-là. Mm -hmm. C'est-à-dire sur le, le culte du secret, le culte de... Il y Qui une certaine violence, vraiment, qui... Euh, par exemple, il y a un... Il y a ارجوران وزمر درد ادادر ابين يخدم انت زيك النور انت زيك وزمر درد تدف درد سكيد الجمعية زمر سكرد شحنا نختار داوث زمر لا سيدي الرياليتي سيدي التيماتيك اللي ما زمرت تركش بداخل اون بو ابروفون ديريك لي مثل حال ثلاث حاجه اذا نعطيك صدق هجر في الاسياف في الحمد ثلاث اثنين تنكران الحراك خاصك كثر مقر ديال الاعمار Mais il sa présence et la place de la République son rêve il, est blé, il a expliqué le pour un État démocratique un État de droit. et il, et toujours, il a dit le de jusqu'à son dernier souffle c'est resté un militant donc bien sûr c'est une respiration pour lui il a donc il a il a, il, a, il s'est dit le fruit de son très très long combat voilà bon malheureusement le, le fleuve du Hérak euh, a, euh, euh, a été un peu détourné mais c'est vrai qu'il y a cru sincèrement il a cru que c'est l'aboutissement enfin après la libération euh, du, de la terre du territoire c'est la libération du citoyen des esprits et tout ça il y a cru bon, mm. voilà

Mm -hmm. On n'a pas le on on n'a pas une société démocratique, on n'a pas un, un état démocratique, on n'a pas un pouvoir démocratique. Et donc forcément, des gens qui sont marginalisés sont moins connus. Ouais. Par contre, on va te faire connaître, on va te dire pas aujourd'hui, ça ne pas comment Et parce que c'est le pouvoir qui veut ça. Voilà. On sait mm. que c'est des moyens, c'est ça aussi, c'est la dictature qui fait que, voilà, euh, certains sont connus, certains ne sont pas connus. C'est ce que je de nénés, les arnaques de l'opposition, de manière générale, non, ne sommes d'accord, nous, nous faisons le quid de nous, nous faisons. Mais l'action nous a pas toujours unis. Nous ne sommes pas unis dans l'action, nous ne sommes pas unis dans la nature. Donc, le courrier est de la nature. Et le maïmous, bon, est. est. est devenu. Mais, je dis, il y a d'autres qui sont de la nature. Il y a d'autres qui sont de la Donc, je suis un peu plus de Mais est-ce que la nature n'est pas le problème Nous nous connaissons, on ne donne pas l'importance aux idées, mais on donne l'importance. Mm -hmm. Il faut quand même revenir au système, au système politique, au système médiatique. Tu, on, on est face à un pouvoir qui ne veut pas de débat d'idées. Il n'y a pas de débat d'idées. Donc on ne favorise pas les idées. Donc le pouvoir, il aime créer lui-même des icônes, des totems, ses propres tabous. Mais le débat libre et tout ça, le pouvoir ne le tolère pas. Jusqu'à aujourd'hui, il ne l'a pas toléré. Il y a eu la petite parenthèse de 89 jusqu'à 92. Donc, je pense que le débat d'idées, non, le pouvoir n'est pas prêt de le tolérer. Et donc, le pouvoir, il va sortir des pas les dirigeants politiques. Tellement... Ah, kif, kif. On plus dans. Il a, il on, se, on, on se bagarre sur les postes de députés, de maires, etc. Mm. Mais il n'y a plus. Et il a produit, il produit quand même. Il a, il a porté des idées. Absolument. Il, a, il a fécondé le débat. Absolument. Il a fait beaucoup de choses et tout ça. Le jour où sa mort a été annoncée, je me souviens très, très bien, lire, lire, Donc j'étais en poste directeur de, de l'AFP. Quand il y a eu l'annonce de son décès, les médias officiels, il n'y avait rien. Ni la PS, ni la radio, ni la télé. Mais alors, silence euh, incroyable. Il a fallu que Boutlira décide, donc il fait, il fait un communiqué, donc il donne instruction pour que Aid Ahmed ait des funérailles dignes de son rang. Et bien tout de suite, c'est le déploiement incroyable. Les médias, même les chaînes privées, même les chaînes privées de la tout ça, c'est incroyable. Donc c'est encore le pouvoir qui décide.

خاطر نقول <applause> دو دلوان سي فري توجور لي تراز ديال فاز سا موديست اكسيسيبل آه اك دي فكري موسيني الناس تفضل ديك تيرو اك مقارن داكور ناتو با داكون مي توجور لي البرودوي يساعد داك كاريير بوليتيك مقرض ذا مجاهد مقرض الاسبا ساكي ثلاث على نوفال جينيراسيون في السينيرا اون آه كيلك مو كاس انت دي نظم باش في السينيرا باش كاس السن لقاس السن مزروي تمور ثلاث سن امزوري تمرت نسن يتوفر اسن يتوفر خاطر الحكم ودي هدر راه في مزوري اكن قلا امزوري زن تحكو ديال كل التلفزيون عندنا اظن هذا مزوري الكذب هذا مزوري يتفرن في ذات يدي يدي خلق الكذب اما تقولين يا انا ما تقولين يا انا لي بيرسوناليتي تمقرض بومدين يغالزون الناس نتدي دي خدم الكران تاني يغدي بون الاستقلال نغوا بوتفليقه الوغ كذني هني ونويث راه كارطوش ذني هني ودن بويران اميز يكتساون غير الكار يكبين غير نوفمبر 54 يكبون غير الاستقلال ذيني بانا دونك ذي كي 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 البروبلام سي تادير كي انفيرسمون دي رول كونسيون فولو Euh, avec beaucoup de, de force, beaucoup de puissance et beaucoup de répression. Mmh. Voilà, donc est un peu le, 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 on a inversé les rôles. sur le rôle. problème. Euh, L'opposition, elle travaille. Là, on, il ne faut pas en jeter un effet-tout comme, comme ça. L'opposition, elle travaille. Elle essaie de, de euh, dévoiler l'histoire voilà, telle qu'elle a été vécue, ou avec euh, plus ou moins... Euh, de vérité, de de, de, euh, de, de réalisme, d'objectivité. Donc euh, les gens, il faut qu'ils qu écoutent l'opposition au lieu d'écouter les médias officiels. au lieu de a des choses dans les dictatures, c'est un moyen idéologique.

تساوي التي تساعدك اللي فاس تنسل باش تساعد دابور اما تسلك تاع ديال ليديولوجي اما على تيك ليستوار ا لور مانيير سي جيها النظام لوبوزيسيون بوليتيك تكشم داخل البوبوليزم اون رياليتي كنت تكشم داخل القالب اون بريسيون اون براتيك سكون دينونس ومن بعد تكري السوثه وتسعى اون باز واش راه تسند ندير ديكوم دونك كيركاز النساء مقارنا ماشي غاطاسيتني قارفنا ماشي غاطاسيتني سلل وبعدا فيك لو طون

c'est pas l'école, ce c'est pas à la télé, c'est pas la radio, c'est pas ce de... qui même nous nous même les médias privés sont complètement assujettis à l'état et même les réseaux sociaux les réseaux sociaux ils sont sous contrôle La pourra même le c'était la seule soupape qui restait les algériens c'était les réseaux sociaux C'est qui les réseaux sociaux sont contrôlés plus que ça et les gens sont réprimés ouais. On en contrôle ce que tu es en train de lire ce que tu publies donc, soit, 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 Donc, on a fait, de ce point de vue, du point de vue des libertés démocratiques, on a fait un bon en arrière, mais, mais incroyable, incroyable. C'est ce c'est plus difficile qu'il y, y a quelques années, c'est sûr, sûr. Donc, il faut, il faut, voilà, donc, il faut qu'il faut qu'il, quand même, il faut espérer que les jeunes euh, se libèrent, quand même, parce que, même si effectivement, c'est difficile de publier, mais ils lisent, ils voient. Donc il faut qu'il se libère. Il faut qu'il y ait une autonomie de réflexion. Il faut apprendre à réfléchir de manière autonome. Quand on apprend à réfléchir de manière autonome, on va aller chercher. Mais si on se soumet uniquement au programme officiel des médias et de l'éducation nationale, je perds bien. C'est quoi se perdu لا لو فيديو كورا كنت نضبط تي سان تي دي كومونيكي نسلم ذاك اللي غادي تقري تزوره في كاع ممكن نسد الرحمه وفكرتو في كارت قلت ذاك اللي مسلي طاستيك اليد سو مسلي طاس انت تقولين هذا غير ديفكا ثامورلي افطاس ان التمثال صدق هجرس الصد فلاس يعفو يرحم بغض النظر على المقران كيف غادي انا كان يونول خاطر زقلت ثنيض يونول ثنيض خاطر اولد الناظر اتصي في دي قارن يا Mmh. Le Pax, il, forme ses, il donne de la, de la formation à ses militants. Attention, il ne faut pas euh, ne, -dire, répéter ça tout le temps parce que euh, ce n'est pas toute la vérité on fait, en vérité. J'ai adhéré au Pax en 1972, en 1974, et j'ai combattu le Pax jusqu'en 1987, et j'ai rejoint le Pax. Voilà. Donc le problème, j'ai jamais tr trouvé de, de, de la formation au sein du parti. Par contre, il y a quelque chose d'autre. Il y a un endoctrinement, y compris dans le PAX. Je veux dire dans le PEX avait des, des, des méthodes de travail qui étaient des méthodes qu'on euh, qu retrouve au FLN, qu'on retrouve ailleurs. Parce que tout le mouvement national, il faut même, même le fils, si s'est un petit peu inspiré des absolument, méthodes de Absolument. Bah, ouais. absolument. <laughs> tout le mouvement national est un bloc qui fait mal, euh, qui, a, qui, qui a à peu près les mêmes pratiques politiques, les mêmes mœurs. Les, les, les mêmes méthodes de travail, etc. Donc, Renard, qui PEX, tous les gens qui sont formés, c'est vrai, les Natas, qui sont formés, mais ils sont formés grâce au fait qu'ils ont acquis, justement, l'autonomie de penser. Et ils ont lu. Ils ont lu par ailleurs, en parallèle. Ils ont lu, ils se sont interrogés, ils ont débattu, mais en dehors du parti. À l'intérieur du parti, on te ramène Sao et on te dit voilà, tu ne discutes pas d'autre chose que du Sao Tchab. De ce qu'il y a à l'intérieur du Sao Tu ne peux pas discuter d'autre chose. Tu comprends Donc, ça, qui n'est personne. Moi, j'ai eu des problèmes. Enfin, des, des camarades de, qui, qui nous écoutent le savent. Euh, 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 à un moment donné, on avait fait un plan de formation. C'est autre chose. Le Pax Tiziouzou, dans sa majorité, les jeunes. Euh, sont issus de, 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 de la gauche du MCB. Et donc, on a l'habitude des débats, on a l'habitude de, 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 de la lecture, etc. etc. Donc, quand on, a, on est rentré au père en 87, on a demandé à ce qu'il... On était étonné de ne pas trouver des écoles de formation. On les a imposées au, à, à la direction qui a ouvert des écoles de, de formation. Et on était étonné de découvrir des membres de la direction qui savaient même pas ce que, que le marxisme. Pour des communistes, c'est quand même lamentable. Yeah. Mmh. Et on a découvert aussi que les, la plupart des ouvriers euh, du pax, hein, qui n'étaient pas très instruits, eh ben, ils ne savaient même pas si le marxisme C'était une marque de savonnette, euh, une marque de chemise, ils ne savaient même pas. Donc c'était terrible pour nous, c'était un choc. Et dernier, derniers, gagner des rois, pour nous former, eh ben, ils sont repartis parce qu'ils étaient choqués, parce qu'ils ont découvert qu'on avait un niveau supérieur à eux. Parce que nous, c'est... En dehors du passé, qu'on s'est formé. On ne s'est pas formé à l'intérieur du passé. Au passé, pas, tu te formes parce que tu es endoctriné. Je suis en train de détruire une citadelle. Non, mais ce qui est vrai, c'est que c'est une vérité. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui... Je suis sûr que je vais susciter, des, vais lever des haines et des insultes, mais je tu vois. Je dis la vérité. C'est ça, la vérité. Alors, au-delà de ce que tu as dit, je pense que ça a plusieurs facettes. Toujours l'aspect politique, il faut le il <muché> est un homme historique, un homme de réflexion, mais toujours il de l'FFS. C'est de quelque chose. C'est un homme historique, un écrivain, il s'agit de matière réflexions, mais toujours issu de l'PAX. Et à la face de qui de l'homme politique, de l'homme historique, de l'homme de réflexion. Bah pour moi, c'est une fausse perception des choses qui n'est pas issu de euh, Norcathajos. Au-delà du FFS et du Pax, ils, ils incarnent autre chose. Normalement, ils, ben euh, oui. Pour moi, je n'ai jamais vu en Eith Ahmed juste le chef du FFS. Je n'ai jamais vu en Sade c'est juste un, un dirigeant du Pax. Pour moi, c'est des gens qui ont une dimension euh, bien plus importante, une vision nationale euh, et tout ça. Euh, ce que tu dis, c'est vrai. Une solidité à travers cette petite euh, fenêtre. Non, moi je suis comme toi, je suis pas d'accord avec cette vision. Mais alors, pas du tout. Mais ceci dit, elle nous aura toujours effectivement dans la conception du pouvoir. On aime mettre les gens dans des catégories avec des étiquettes. Donc, on aime, on a cherché à exclure sous cette étiquette. je ne sais pas de ceci, cela, d'un communiste, l'intégriste, etc. Donc, les gens qui, ont, qui incarnent. Euh, qui sont des icônes nationales et tout ça, on n'aime pas, sauf ce qui est lié au système, au régime. Donc, je suis d'accord avec toi, mais c'est triste. Mais non, euh, pour moi, des gens comme Ahmed, des gens comme d'autres, hein. mm -hmm. même si c'était des jeunes, de, des jeunes politiques, des jeunes qui ont émergé dans le Hérac, ils ont. Moi, moi, dans le j'ai vu j'ai vu des j'ai vu des merveilles, j'ai vu des, des gens avec un niveau d'intervention mais incroyable. Mais ben, dans l'allée, on les a limités à des petites choses et tout ça. Ben, voilà.

se dire ils vont l'effacer, hein, hein, ils vont ouais, te refaire ouais, une autre biographie. Ça mal parce que Karank, parce que aujourd'hui il n'est rien dit. Oui, ça ça vient du populisme d'une manière générale. C'est c'est c'est. Quand on il y a des choses qu'on a pas. Ça c'est le problème. Car populisme, le populisme, quand ils te font la jouer avec, ça mal. Alors que mal le vrai, ça mal. Les mecs ils te parlent les grandes personnalités. Je effectivement, ce sont des grandes personnalités. Objectivement parlant, tu sais de notre, ces grandes personnalités auxquelles il faut rendre hommage. Rendre les honneurs auxquels euh, il faut euh, vouer un, un énorme respect. Ce sont des gens, même si on n'est pas d'accord politiquement avec eux, c'est pas un problème. Euh, surtout quand un, un homme de cette envergure il décède, il est de devoir de chaque patriote algérien de lui rendre hommage. Quelle que soit notre, la personnalité, hein, mm -hmm. c'est pas euh, qui meurt, on doit lui rendre hommage parce qu'il a, il, 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 il a, il a donné de lui-même à notre pays, à son pays. En plus, c est c est pour de nous, hein? des modèles de probité, eh. d'honnêteté. Absolument. Euh, C'est des gens incorruptibles. Absolument. Euh, donc, ouais. ils, ils méritent d'autant plus... L'autre respect, les hommages de la nation. Absolument, tout à fait. Voilà, donc euh, il faut qu'on reste dans ce respect-là. Et on lui rend un grand hommage. J'espère qu'il y aura une, une émission consacrée à tout, euh, vraiment à, à, tout, à tout ce qu'il a fait, depuis son jeune âge jusqu'à son dernier souffle. Et puis on va voir qu'à travers, euh, euh, en fait, sa vie, il y a beaucoup de choses positives à dire. À, 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 à dire. Et à relever, je bon, pense qu'aujourd'hui, bon, avec des nassages, je suis un peu, peu vif euh, dans l'essai commun. Ou vif, euh, c'est pour ça que y a eu le débat en Guinée-Brunswick. Mais sinon, on aurait pu effectivement parler des aspects de euh, ce qui a été euh, de son côté il qui relève de l'exploit de... de, de euh, de, de l'héroïsme, euh, de, de, de la lucidité, etc. Il Et y en a, il y a plein de choses comme ça qu'on peut retrouver chez Sadok.

Ben ben Akinou, ben ben hey, il y a la de euh, crise de 49, on va le Parti communiste en 1951, on va les officiers libres, quand ils de déclenché la révolution. Oui. Ça aussi, c'est un point parce que, le congrès, point, parce que le congrès de l'Assemblée, je mets à les tendances politiques, sauf le Parti communiste, il est d'accord, mais... Il y a certain... Bien sûr, il faut reconnaître quand même... Euh, au groupe de Benoît Kinnoun, quand c'était des étudiants, euh, c'était des gens qui, qui avaient un avenir assuré pour eux. En rapport à la situation du peuple algérien de l'époque, il pouvaient devenir... C'est-à-dire que c'est un rapport entre ah, un milliardaire... C'est dénotable. C'est un rapport entre un milliardaire et un smicard. Ben. Hein. Et, on, il faut voir les choses comme elles sont. Mais malgré tout... Femme. Ils ont, ils ont préféré sacrifier leur avenir, leur, euh, etc., pour aller s'engager politiquement pour la libération de leur pays. Euh, avec, euh, de, de, euh, en prenant aussi en charge des, beaucoup d'aspects politiques, notamment la question de Mazir, euh, qu'il fallait avoir du courage à l'époque pour, prendre en, pour, euh, pour euh, soulever cette question-là dans un milieu euh, totalement hostile, fait, il faut le dire, à la fois au niveau national et au niveau international. Euh, il ne faut pas oublier l'idéologie. Même en Kabylie, il y avait des <laughs> Non, qu'est-ce que je te dis En Kabylie aussi. Et, en et surtout, aussi. En, enfin je ne dirais pas surtout, mais disons la Kabylie, la majorité des Kabyles ben étaient contre la, la berbérité, hein, il ne faut pas, pas le nier, hein, jusqu'aux années 70. Hein.

ثامرة اللي <مزلسك> دوروا جاربوا من الجرمان <مزلسك> ما استدير ك يبي بان فيد كومبلي يبي ديجا ان بلا جون كونسيدير كي جيت عرب اي توس ما داير قبل ما كاينين نكونوا سوا عرب ني قار يعني بورت تدير دونك ديال الوقت ني باش كتسول في هذا لا كيسيون تمزغ ايوار الحال فهمت نقدر تمزغ Et euh, il, était, il était des PPA, MTLD. Donc en 49, il a choisi donc, de s'engager avec ceux, à la fois qui remettaient en cause euh, l'autoritarisme de c'est de mal, mais à la fois aussi, il a encore une euh, de soulever cette question identitaire. Il ne faut pas oublier quand ils ont soulevé la question identitaire. Euh, il n'était pas contre l'arabisation. Voilà, euh, dans le, le document de l'Ider mm. euh, on parle de l'arabisation aussi. Mm. On était favorable à l'arabisation, mais en parallèle, il fallait reconnaître la question. La dimension. La dimension à mesure. D'après, Ergezegi s'est retrouvé <rit> au PCA, à suite à la crise qui a le PCA. Il se retrouve, le PCA, qui était dirigé à l'époque, si je me rappelle bien, si vous n'êtes pas M. Hajali, ou... Ouais, je vais oublier son nom. Enfin, qu'importe. De toute manière, il est resté là. C'est lui qui a négocié avec Abban Armadan. C'est lui qui a négocié avec Abban Armadan sur... La, la place du Parti communiste dans la révolution. C'est le révolu... C'est est... Ben Ali Boukourt. Voilà. Ah, plus... uh, avant, on est en 1936. Ah. Uh, avant, des années 30-40. Non, monsieur, on a, uh, Boudali. Bouhali. Boudali, ah, ouais, il avait Bouhali ouais. aussi ouais. Qui, était, euh, notre, euh, qui tenait le Parti à un moment donné. Donc, le problème, euh, il a négocié la place du, de, 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 du Parti dans la révolution. Il se trouve que Ntsa, il est parti avec l'idée que Mare -le, le FLN, c'est quoi le FLN On dit bien que c'est un front. Qu'est-ce que ça veut dire un pharaon Un front, ça veut dire qu'il y a plusieurs partis. Okay. Mm -hmm. C'est plusieurs partis qui s'entendent sur un dénominateur commun. C'est-à-dire la lutte de libération. Et puis jusqu'à l'indépendance. C'était ça, Mare au départ. Mais en réalité, les ce n'était pas du tout ça. On leur a dit que les partis doivent, ils doivent être dissous. Et ça, n'a pas accepté. Il a raison. Ah, les communistes n'ont pas accepté. et est On ne peut pas se dissoudre, on ne peut pas se dissoudre en tant que parti. On garde le parti. On garde donc l'autonomie du parti, mais on est engagé dans la révolution. Et ils se sont engagés. Il euh, y a des gens qui ont pris les armes. Il y a des gens qui ont aidé d'une manière ou d'une autre. Et de devenir des officiers libres. Ou alors, euh, Non, avant. Euh, avant effectivement, les officiers libres. C'est-à-dire, euh, des Loire ils ont créé un maquis, un maquis des communistes, pour euh, lutter pour l'indépendance. On bête le à travers on les a contactés et leur a dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas lutter d'une manière autonome. Il a dit en tant que parti, d'accord. Il faut dissoudre votre parti. Et ça, c'est inacceptable, en réalité. C'est antidémocratique. Et finalement, euh, les autres partis, ils se sont dissous, euh, Rohan, parce que tous les autres partis, c'est des partis populistes. Hein, en fait, et, ils, peuvent se ils peuvent se retrouver dans ils peuvent se retrouver dans n'importe quel euh, euh, courant. Euh, c'est le même, les mêmes courants. Par contre, euh, le, le, le Parti communiste, non. À l'époque, il ne faut, faut, euh, faut pas confondre. Si tu, si tu veux le parti communiste le lien avec le PAX euh, le PAX était confronté à un pouvoir national mal. Euh, au bambélisme euh, par contre les euh, ils, ils étaient confrontés plutôt à, à, au colonialisme -à au pouvoir colonial mal. donc ils avaient une certaine euh, possibilité d'entrevoir une, auto une autonomie de leur parti donc, ils ont gardé leur autonomie jusqu'à l'indépendance. À l'indépendance, ils ont énormément euh, travaillé, animé l'autogestion. Euh, à un moment donné, ils ont mis des terres agricoles, des de de grands domaines agricoles, des tas de choses, des usines, euh, etc., des entreprises. Et il fallait les prendre en charge. Et qui a organisé tout ça? C'est le, 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 les communistes plus les, les communistes et les, et les affiliés, la, la, la gauche du FDN, qui, qui ont animé l'autogestion et qui ont lutté pour imposer une orientation socialiste On euh, euh, d'après le problème, c'est qu'on s'est retourné contre eux. bella, il, il, a, il, a, il a interdit le Parti communiste il a euh, angers républicains, etc. on après, il y avait euh, le coup d'État. Et le coup d'État, ils étaient contre le coup d'État. Les communistes étaient contre le coup d'État. Donc, et, et ils ont créé l'ORP avec la gauche du FLN. Et quand ils ont créé l'ORP, Ombad, euh, qui était atrocement euh, réprimé. réprimé, avec des tortures très, très, très euh, sévères, ouais. Euh, pire que celle de, 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 de la période coloniale, il faut le souligner, euh, Bachir Hajali a perdu le skin tout. Euh, euh, voilà, il est devenu un euh, euh, légume quoi, après sa sortie de prison, presque. Donc il faut savoir tout ça. Beaucoup de communistes ont été torturés, euh, ils ont subi la prison. On va d'après.

Euh, je te dois d'être euh, je te dois je te dois d'être en vie et tu me dois d'être libre. ils l'ont torturé parce que parce que c'est un dîner qui l'a sadaq. Il l'a pas dit. Le condiscidin a dit nah, il est un gars. Mais mais d'intégrale. Il est donc tu me dois d'être euh, tu me dois d'être libre je te dois d'être en vie. C'est C'est vraiment pas mal comme truc. Et, et, plus la deuxième phrase, c'est race, elle sera un peu du contexte. et qui, enfin, un, un autre vers qui est merveilleux, pas, qui, qui montre tout le, 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 la, la grandeur d'esprit de ces gens-là. Euh, qui disait à son bourreau Je te jure que lorsqu'on prendra le pouvoir, tu ne seras pas torturé. Ah, il disait ça à son tortionnaire. Ça c'est très important, pas, un torturé qui dit à, à son, son tortionnaire Je te jure que si on prend le pouvoir, tu ne seras ça pas torturé. Le rejet de, de la torture qui est horrible, qui est de, de terrible. Que, etc. Bon, donc voilà. Après, donc, sur l'ORP, on a dit que les gens ne sont pas Alors, les qu'on a l'ORP, ne pas les pax, les sont Et parmi eux, il y a des anciens communistes et aussi de la gauche du FN. Avec le il est de la gauche du FN. C'est un, un FN. Mais il est de la gauche du FN. Donc, ils ont créé le Pax. Le Pax il a fait un travail. Alors, le Pax, il ne faut pas oublier, c'est que c'est tout le temps en liaison, malgré qu'il était en clandestinité, il était tout le temps en liaison avec les étudiants qui luttaient euh, dans le cadre lunaire. Et l'UNIA a été décapitée hein, à deux reprises en 1968, 1965, 1968, 1971, euh, quand ils l'ont dissoute. Mm -hmm. Donc euh, l'UNEA a été réprimée. C'était des communistes. Quoi, et torturés, des étudiants qu'on a qu'on a euh, pris en prison et qu'on a <coughs> atrocement torturés. Et c'est Sadar qui, qui a formé ces, ces étudiants-là, qui les a... qui, qui, qui le contact avec, avec eux, etc. Donc après euh, bon, il, il, il s'est déployé dans la clandestinité, s'est énormément déployé, parce que euh, Bachir Hajar était, euh, était en prison, euh, puis mis des dernier, il était affaibli et puis en résidence surveillée. Donc c'est Sadar qui a mené le travail, euh, si vous voulez... Euh, avec les ouvriers, avec les paysans, avec les, euh, les étudiants et avec les femmes, et dans tous les coins d'Algérie. Dans tous les coins d'Algérie. Euh, C'est quand même, il faut le faire. Et tout, tout ça, dans, euh, loin de sa famille, loin de, ce, ce, voilà, de, euh, de, de sa famille, des de siens, de ses proches. Donc euh, il a assumé cette clandestinité, il n'était pas le seul, il faut le dire. Mmh. Ils étaient toute une équipe. Hein. est-ce qu'il y a eu des morts il y a des morts ou il n'y a pas alors d'après mes informations qu'il nous a, qu'il faut vérifier je ne suis pas sûr il est arrivé, comme on m'a dit à un moment donné qu'il était sorti des morts il est allé à de Prague en Tchécoslovaquie et peut-être même un peu en Yougoslavie, à Moscou. Mais, les y qui parlent, non, qui ont référé toute sa clandestinité l'a passée en Algérie. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Non, c'est une équipe qui est fort. Il est fort, effectivement. C'est l'Irakien. C'est l'Irakien, donc je ne peux pas m'avancer. ادرو غير تجر ما في اعمار تي فواتورا ادكرين جينيراسيون باش هذا يصير لو باركور كركازنا كي هذا مقارنة كتابين ولاش هذا مقارنة ديستوار اوفيسيال ولاش مقارنة هذيك مثلا كثرت مقارنة ديجا بو كومونسي نو ولكن الشغل الشغل هنا غنكوني عفوا نكوني جو مو سون امبليكي ولا كي نزمر زمر

Donc, je là... il, il a qu'il à à la il faut contribuer. trop ça à la culture qui <cloo> e <-t evacuation continuaussen> la... in de c'est dans la culture orale. d'abord, il y a la qui nous a formés. Il faut il ne faut rien dire. Donc, le mém c'est ça. Ce qui est imprimé, il est imprimé, tu ne peux pas le contester. Donc, comme on est. En révision perpétuelle des choses, on n'a jamais une version fixe d'un événement. Donc, un secondaire, il arrête de qu'il y et qui en se disant, est-ce qu'il jette le version, je l'écris, est-ce qu'il faut rectifier, je rectifie, etc. Mais voilà. Donc, je pense que la mission, elle appartient aux journalistes, mais elle appartient aussi aux universitaires, aux dirigeants politiques qui ont, une, qui ont, qui ont un certain savoir et tout ça qu'ils peuvent faire. Il faut le faire. Il y a des gens aujourd'hui qui ont la plume, les il y, y a des gens qui ont les connaissances, qui ont les informations. S'il peut pas écrire mensonges ben voilà, ils, ils prennent des gens qui peuvent donc écrire. Les gens qui écrivent, les grands hommes politiques qui écrivent, c'est pas eux-mêmes. Ils ont euh, ce qu'on appelle n des prêts d'un nez, le prêt de plume. C'est un mot plus, euh, plus ça, que ça. on appelle le prêt de plume, donc on trouve. Voilà, donc je mets une

دوك هاد الديفو دوك ديز دود دوك هاد الديفو هاد الديفو دوك هاد الغار ضايع لا تعرض اذا دوك على تروح دو هاد الشعره وحدك كاع كيتنعرض ما تشكشوف هذا هذا السوا عرض سيتورا افيك بليزير انا مقارن دونك ان دعمار داك نخوص دي لا كولتور ديال التيران غير ديال السنديره خاطر اولي تروح مثيرات صغيمه صدق لا كومبريسا سا دي ريزكي تيرو لا كريم ميم ان سيت انترنت ان اذا يخدم دي ريفليكسيون ثيرموغليس غفير في السواث يير ثالث يير ثاديانت اي هذا صح الى كريي وسي الى كريي سيت انترنت تاكيا اي يجيز ما تتفض تصل <applause> لي زيكرينس لي زارتيكلينس اي تيرو دي لا بريس ناسيونال اي فوالا بون ان بو بارتو انا ماي 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 واي ماديس باي تيرو

Euh, Quelqu'un avec qui on, je ne partageais rien du rien, tout, on ne partage rien du mais, tout, mais, le... mais je salue sa plume, ah, parce qu'il produit, il produit assez de mais le Miguel c'est sur ses écrits que je vais l'attaquer, et c'est sur ses écrits qu'il va se défendre. Voilà. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on voudrait que ce soit tous les hommes politiques et les intellectuels qu'ils écrivent. Ça c'est vrai. Donc parce que il faut il faut il faut passer de d'une longue période, ça meurt, ou de de d'affrontements barbares, C'est-à-dire euh, violents avec des insultes, avec des, euh, tout ce que euh, peut euh, charrier comme euh, euh, mauvaise éducation, mauvais euh, euh, mauvaise formation politique le populisme et, et mettre fin à ça et passer à la rationalité passer à la production des idées, des idées par, passer à l'affrontement des idées mais, euh, de, et aussi éviter les affrontements entre euh, de, 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 euh, comment on peut appeler ça c'est-à-dire que euh, au lieu un qui نكوني نشميت نشمت ارجاز نخدم الطوش ها كاين وهكا 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 مي كيسك كيسك سافوار افيك لا كيسك سافوار افيك لي دي دو فير افونسي لي شوز انا انا سو بلون بوليتيك ريان دو تو ما دين دوي كان انا سي تان تراتر نو واي كان ديش توي ان جازر ستان ترات فكي تشوف بلي كسان سي با زانترات سي كلكان بك كلكو با داكور بوليتيكمون الوغ الراس ستكسي ستكسي وي ماشي سينا ترجمها ترجم نغتشمت شتان تراتر نغتنا لعب لك البوفوار نغتنا لعب لك سينا نغتنا لعب لك سينا سيسا ترابق يا نجيو كل ترابق يا يقول لقد نوغر السرثيث يقرا ويت مقلات دكواليس يخدم يلم مالي غام كان ديث موسني تدير كي ولاد السرثيث يعار مالات هاد الصحوه والو نسينا لا شو تا السرثيث ولو نسينا لا شو ذا زال ومنو هو اللي غفول منه جوستومون قالت زلات اللي كخدم لو نسيت ما قالت استقصى غدير واش مد باول غا فتكتها هناك ساعتها نمي قالت تيكت نتصا مالا نزار الدونيت نسقص العقال غد من نبت الحوت الدونيت اي باس استقصى غدير واش غا في الدونيت مد الدرويش شنيا اون رياليتي يفك التابوغ لي دو لا ساجيس تيكوال اون زران ذات اون زران دار نزباتي دناوي غير وين كنت اذا نحقر غير وين كنت

انا بوكو تشوز دير ما كي دينا سوريت ما قال ماشي هي هو بور مويت ما قلاس سن تكم الدن لا مشهور يتوسن فوالا دونك تشكر انت ديكم الدن سي نورمال مي وكانت السن ذاك اللي قت تشمز مكيد القار سلقا 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 زي كويني خدم الشغل اسم Euh, euh, C'est plusieurs facettes. C'est-à-dire qu'il a un certaine, euh, il les facettes, et ces facettes-là sont harmonieusement articulées. Ils sont harmonieusement articulées. C'est là tout son génie. Alors, les facettes qui sont les d'abord la mélodie et la voix. C'est un mélodiste. Peu de gens le savent ou le disent. Alors qu'il faut insister sur ça. Et Mégé, c'est un grand mélodiste. Euh, L'Europe, quand quelqu'un est un mélodiste, on le fait savoir. Donc, nous, on, on a l'impression que bon, la, la musique, c'est juste la, 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 les du ouais, c'est juste un support. Pour une poésie, oui, mais c'est un support très euh, assorti à sa poésie et aussi la mélodie. Il a une voix, une voix qui s'accorde très bien avec les mélodies. Et le, le la conjugaison de sa voix et de sa mélodie fait que il crée quelque chose, un ensemble euh, esthétique qui vous transporte, qui vous fait rêver, qui vous fait méditer. Euh, quelque chose qui. Personne ne me met à me je fais abstraction du, du, du monde, de, de tout, tout ce qui m'entoure. C'est-à-dire, il me capte, il me happe Grâce à sa mélodie, à sa voix. Et la voix est très importante. Lukwan peut-être, quelqu'un qui va chanter me euh, et ça, ça n'aura pas le même, euh, la, la même harmonie. Donc, il y a, il y a ça d'une part. Deuxième aspect que je voudrais souligner, c'est dans euh, ses paroles, dans sa poésie, il joue beaucoup avec les contradictions. C'est un dialecticien, un vrai dialecticien, parce qu'il joue beaucoup avec les, contra les contraires et les paradoxes. C'est très important. Voilà. On n'a pas l'habitude de ça, Nous, dans, dans la poésie nord, enfin, dans les, euh, les chansons nord, dans. dans alors là, on connaît le, 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 le paradoxe, et à mon avis, c'est une notion moderne. C'est une notion très moderne qui vient avec les lumières, justement, etc. Et euh, donc, pour les sociétés retardataires comme la nôtre, euh, la contradiction n'était pas du tout mise en. en, en, en en, en lumière euh, euh, exploité, du moins dans nos arts. Par contre, euh, lui, il s'est saisi de, 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 de la contradiction pour l'intégrer dans ses chansons, dans sa poésie. Et la contradiction, qu'est-ce qu'elle apporte Elle apporte la réflexion, elle suscite la réflexion, elle, elle booste la réflexion, elle titille l'esprit des gens. Et, y compris la, sens la sensibilité, pas uniquement l'esprit, mais aussi la sensibilité des individus. Normal. Donc, c'est ça qui est très important. Donc, Hegel c'est un dialecticien. Ça dernier, un philosophe. Pour moi, c'est pas un philosophe, hein. c'est un artiste bien inspiré hein, qui a euh, un talent fou. Euh, voilà. L'année, a la langue on a toujours pensé qu'avec la langue kabyle, on ne pouvait pas exprimer l'abstraction. Euh, du moins, les grands concepts. Ah, euh, de, 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 soit philosophiques, soit... Mm. Hein. Et Bentham, il est arrivé avec le kabyle simple, sans son néologisme. Il, il, il ne fait pas appel au, au néologisme. Avec le kabyle qu'on a, qu'on pratique quotidiennement, avec ce kabyle-là, il a fait une alchimie Tel que, voilà, euh, il lui a été d'une euh, très grande facilité, enfin, d'exprimer les choses qu'on croyait inexprimables en Kabyle. Enfin, donc, tout un, on va voir les chansons et, là, et tu, tu peux retrouver même des théories justement mais bah, de la de la chanson il y a des théories justement par exemple le, le, le Darwin bah, le, 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 le Harish etc Absolute. alors mais, de me... ah, là. Et absolument la, euh, la, euh, bon il y a un peu de théorie de, de l'évolution si on veut mais un petit peu un petit peu oui. voilà néanmoins il y, y a aussi dans cette chanson il euh, le, le souci de, de de la sauvegarde de la planète il y a également euh, le, 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 la contradiction dont je parlais, la contradiction comme moteur de la vie, parce que la contradiction effectivement est un moteur de la vie. Voilà, c'est mm -hmm. ça qu'il faut, faut évoquer. Les gens sachent que la vie c'est pas une, une ligne, comme ça toute droite. La vie c'est des contradictions, c'est des mouvements, des reculs, des avancées, mm -hmm. des hauts et des bas, etc. C'est ça la vie, et c'est ce qu'il voulait aussi exprimer à travers ça là j'ai été un peu pris au début je pensais qu'on allait juste faire une transition vers notre flou nice là mon est allé dans le vif du sujet alors dire eh oui eh oui 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 malice mon rapport personnel avec l'unioniste donc je me dis l'Ounis aime l'autre tu vois comment on aime quelqu'un Nick flou donc, je suis en train de faire un voyage. L'Ounis est né en 1950, je suis en 61. Donc, quand j'étais jeune, je suis avec, si tu veux, l'Ounis. Je suis là, Assif, Iberden, Iberden Kif Kif, Néog de Kossif Kif Kif. Je fais quand j'étais collégien, il a le premier car, le premier bus de la SNTV qui faisait la liaison entre notre commune, et Alger, je prenais l'UNES, on prenait le bus, évidemment, tu, tu, je l'ai vu euh, comme euh, un simple... Pourtant, il était déjà artiste, hein, mais il m'a dit la mère, il est de et tout ça. Il m'a dit avec toute euh, connaître avec toute son autorité artistique, morale, etc. Donc, j'ai ce rapport avec lui un peu subjectif. En plus, il s'est retrouvent dans cette société d'artena, donc ils sont honnêtes d'art. Donc, je connais, je connais un certain nombre d'aspects de la vie euh, lounis. Ce que je dis, les zarara, Même si après, en tant que journaliste, ne euh, mieux, sain, etc. Donc, j'ai un rapport particulier avec lounis. Et puis, lounis, c'est une... quand j'étais jeune, quand j'étais au collège, J'avais écrit une chanson Tarshelounis, un c'était par cœur. C'est évidemment les chansons sentimentales, Lunis. C'est ça qui, est... moi, ce que j'aime voir Lunis, c'est C'est fantastique, euh, les chansons. Et puis, dans les années 70, avec la chanson engagée et tout, il y a des gens qui ont commencé à ringardiser un peu Lounis en disant, oui, c'est la chansonnette, c'est sentimental et tout ça, etc. Bon, et pour Leonis, qu -ce qu il Qu'est-ce qu'il a fait C'est ça, c'est ça, 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 qui est fabuleux chez Lounis. C'est que quand il, il s'est mis dans la chanson engagée. Il a chanté mieux que tous les chanteurs engagés. La chanson politique, il nous dit, il ne fait pas de discours, ce n'est pas de discours politique. Parce que là, il y a des chanteurs engagés. Le discours, les chanteurs, le... je ne pas si citer de nom. Il hein. ne pas faire c'est les uns et les autres. C'est comme un nom politique. Il nous dit, non, c'est de la poésie. C'est de la poésie et c'est engagé, c'est de la politique pure. Mais, mais, mais c'est de la poésie.

Ils pas pu chanter pas possible. Surtout l'amour, ce que j'appelle moi l'amour tourmenté. Personne n'a chanté l'amour tourmenté comme l'Ounis a chanté. Et personne, moi je fais le Pâques, personne ne peut le chanter. Et puis l'Ounis, pour moi, de temps en temps je m'amuse. Je traduis l'Ounis, je prends un refrain de dans une chanson, je la traduis en français. Il n'y a pas un chanteur kabyle qui est intégré dans l'universalité comme le Je parle pas... Il est, est, aussi, il est dans l'universalité, c'est un autre, un autre cas. Genre. Lui, c'est un autre genre. Mais par la poésie, quand tu prends un texte l'unis, tu le traduis en français, tu vas le donner, tu le traduis en anglais, et bien... C'est universel, c'est pas le Kabyle, c'est pas la, mm -hmm. bien sûr le Kabyle se retrouve, mais ben, il s'adresse à l'humanité. Il, il s'adresse à l'humanité. Mm -hmm. C'est pour Pour moi, le seul artiste kabyle qui est ancré dans l'universalité, c'est bien Oulès ou Oulès Ouad Il a chanté plein de, il a chanté plein de choses. Par exemple, je, je, à tout hasard, la fameuse querelle entre le cœur et la raison. Il y a le fameux aphorisme de Pascal qui est connu, « Le cœur a ses raisons que la raison ignore. » en fait, Pascal, dans cet aphorisme, fait il parle de la religion, le cœur a ses raisons, parce que pour Pascal, le chemin vers Dieu passe par le cœur et non par la raison. Mais l'ounis, dans les deux cas, dans les deux cas, la querelle entre le cœur et la raison, il a chanté, dans le cas de l'amour, que ça, qui a c'est quand même incroyable, c'est la, 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 la grande querelle entre la, le cœur et la raison. Et puis, dans une autre chanson, mais purement une sublime chanson d'amour, euh, donc c'est aussi, aussi ça. Donc, il est allé, voilà, est, ce, cette, cette confrontation au cœur et à la raison. Il l'incarne dans, dans, de, dans des chansons sublimes. Donc voilà, pour moi, Donc la première chose que j'observe chez l'Ounis, c'est le seul, pour moi, qui, à ce qu inscrit la chanson kabyle, la culture kabyle, dans l'universalité. Alors, est-ce que quelque part, je me disais que c'est un tabou, donc il y a un tabou. Est-ce que je me disais que c'est un tabou, donc il y a un tabou, donc il y a un اذب سينيغي نقولها في زيتي نقولها يكشم دون دي تيوري تيبقى قرانين ليكزيستونسياليزم الحوايج زعما تيكونوا غاثا نو مي نتمسلين في اللاسل تي تزلاتي اسكي زعما ديني بلي كيسعى لافونس في لا سوسيتي نا سي اون فيزيون دان بوات اي سي اون فيزيون دان بوات مي ان بويت ستركتوري انتيليكتويلمون سونسيبلمون ادنينيا فهمت كيلكن كي تي ستركتوري اون فيريتي Même le, me que tu appelles toi l'amour tourmenté en fait, il a joué sur les contradictions, les paradoxes qui peuvent effectivement, mm -hmm. euh, régir les régir amoureuse. Donc ces contradictions là, pour lui c'est un instrument. Pour soulever euh, de, de, des choses enfouies en soi, dans l'être humain, en même temps dans la société. C'est comme si c'était une sorte de, de, de levier avec lequel il nous, il, nous, il nous laboure, si on veut, il nous laboure tout un, un terrain, le terrain de notre culture. C'est un, bon, un grand laboureur euh, de la culture. Et le problème, c'est que ce dernier, et Tout à l'heure, j'avais dit la, la, la voix. La voix, il faut faire très, euh, enfin, porter beaucoup d'intérêt à, à, à sa voix. C'est une voix de conteur. C'est une voix de conteur, ce n'est pas une voix qui est rock and roll », c'est une voix de conteur. Quand tu l'entends, voix, sa voix est douce, sa voix elle est, elle est pénétrante, elle est, elle est, elle est très, très assortie justement à tout euh, le, le, le sens de ce texte. Parce qu'il y, y a des textes de l'ONU, ce c'est comme s'il racontait des légendes. Exactement. Mmh. Non, Tout est, à fait. C est, c est, c est... Absolument. Absolument. Donc, euh, c'est très important. Et donc, à la fois, il te fait rêver, il te, il te fait réfléchir, il te fait aussi évader, c'est-à-dire, il te transporte vers des nymphes de je ne sais quoi. Euh, 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 voilà. C'est comme s'il t'envoûtait. C'était un envoûtement et tout ça vient de l'harmonie, de tous les, ces aspects-là différents qu'il a réussi à bien articuler dans une harmonie que j'appelle une harmonie cosmique. Carrément, autre chose, il a et un homme du peuple. C'est un homme du peuple, ce pas une star. Il ne joue pas la star. On va y ah, vraiment, c'est quelqu'un qui est modeste, qui est euh, euh, qui vit comme tout, tout le monde. C'est le même. Ah, ce n'est pas quelqu'un qui essaie de jouer à la star, c'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui aime l'artifice. avec des ou avec des. des, des, des je ne sais pas moi, des. Une star merle elle doit se distinguer même physiquement, avoir à quelque chose. De... Alors, c'est ça qui est très intéressant ah. chez c'est-à-dire yeah. il, est, il, est, il est en totale fusion avec la société. Absolument. Mais en même temps, il a une autorité qu'on lui reconnaît naturellement. Absolument. Il a une autorité naturelle. Parce que les gens sont reconnaissants autre... lui. Oui, voilà, une autorité morale, une autorité intellectuelle, une autorité artistique. Ce qui me frappe aussi chez M. Hamla, ce qui est aussi ce que je constate chez l'Ounice. C'est la cohérence qu'il y a entre l'artiste et l'homme. Justement, on prend l'exemple de la, la chanson sur l'immigration. Attends, c'est Grenin l'immigration, la chanson de l'exil. Il y a même euh, le livre de notre ami Rachid Mouhtaray euh, oui. que tu connais. Mais, mais, Smith, la chanson de l'immigration, il y a quand même deux chansons. Smith, elle est dans. Non, non. Waldo Yodaref, une chanson sublime. Euh, Fina, comment elle s'appelle euh, Le dialogue. Euh, et entre la vieille. Entre la vieille et tout ça. Voilà. Et puis, Aitme Alors, quand tu entends les, les, les artistes chanter euh, l'immigration, Jih. Et puis, non C'est quand même. Elle est fabuleuse, cette chanson. Elle est fabuleuse. Euh,

يغنى يروح دار الغربان يولا كي يعيش الغاشي يولا دونك يجرب يحس سي تو سا مي يلو تراي با لي جون في قرا انا هو ربي الغربه ثوار صلحوا عليك سي يروح انت با با, با نو يقيم دي الدار دونك جو سوي جو سوي كون جو سوي سنسيبل او سوفرانس دي ايميغري اي تو سا مي موا اخلي دي الدار يعني ثما جيت الدار ثوار فوكونيسيتو دونك دوك دي الدار Dans alors on aime le mais le village Kabil, c'est quand même très difficile. Hein? Tu y es surveillé, tu y es payé, tu écoutes, etc. etc. Et, et dans tout ça, à dire dans tout ce contexte, il a trouvé cette inspiration. Et, et en plus de l'inspiration. On sent très bien quand, quand, quand on écoute ou parce que c'est un type humble ou mais tu es aussi un homme de culture. Tu es un homme cultivé. Tu es un homme qui lit. Il lit. Oui. Il lit. Il, Intuitivement, in, intellectuellement, il est très structuré. Et c'est pas oui. quelqu'un quelqu qui lit n'importe quoi. Absolument. Donc voilà, c'est ça, c'est ça, ça que, oui. je, que, que, voilà, que je veux observer euh, chez lui. Mais le seul problème, c'est que à travers il fred de tout derrière le couvercle, il fred de couvercle. Ne blaguez pas la star, parce que ça a la notion de la star c'est sein de la société donc, c'est une star en quelque part, elle est différente dans la société. C'est une société, où on a cette culture de star. On n'est pas une société américaine, européenne. Oui, alors. on est une société égalitariste. Voilà. Il empêche qu'il y a eu des stars, ou alors des gens qui ont voulu jouer à la star. Alors, pas... euh, jouer, bon, lui, oui. Euh, oui, mais être il n'a pas cherché à jouer. Euh, là, là il si, si, y a des gens qui ont, qui, ont, euh, qui ont essayé de jouer à la star. Alors, ça a marché ou ça n'a pas marché, peu importe. Mais le, Melounis le nice, il ne s'est jamais retrouvé dans cette position d'essayer de jouer la star. Il est en fusion complète, un rien, rien de plus. Mm -hmm. Moi, je me suis, qui je n'ai jamais vu euh, Lounis nice s'exhiber avec sa guitare, avec son nom sur une guitare, nous une grosse voiture, etc., etc. Là, nous ils l'ont fait. Mais Lounis, mm -hmm. nice, non, le nice, euh, alors, eh. il y a des choses qui circulent actuellement sur le texte que Tarjaout dans le a le texte dans quel contexte est le texte alors ça c'est vraiment ce qui s'est passé c'est que Tarjaout il était jeune journaliste il avait 22 ans et il avait fait un concert <coughs> je crois, à Saratras, euh, Didier. Donc, Tahr il, il a été chargé de couvrir. Je ne connaissais pas Tahr, évidemment. Mm -hmm. Parce qu'il n'est pas, pas de la même génération qu'il de nous. J'étais encore au collège. En 1966, il est au collège. Mais j'ai lu l'article de L'article de Jaoud, c'est un reportage. Donc, il a été chargé d'aller couvrir le concert. Donc, il a écrit sur le concert, l'ambiance, euh, voilà comment ça s'est passé, etc. Et Vina, il y a un petit paragraphe, euh, on peut considérer analytique, de, de la chanson Lounis, où effectivement euh, le, le paragraphe de, de Tahar était, a été un peu critique. Le paragraphe, je dis, donc il ne faut pas oublier le contexte. Tahar, mm. c'est un jeune journaliste de 22 ans, il a dit le Mujahed, donc il faut toujours. Il faut éviter d'enflammer les euh, voilà, de dire voilà, magnet Bon, donc il a été, il a été assez, le, il était assez mesuré. Donc le, le reportage était plutôt positif, tout le reportage était positif. Donc il y a ce petit paragraphe un peu critique. D'ailleurs que Eitmaghnet lui-même, il a mis dans dans sa propre revue de presse. Donc là. Mais après, elle a je pense qu'il, moi je crois que d'après mes, mes, mes informations. Lounis Tahar Après, donc, ils ont eu des relations tout à fait, tout à fait amicales et affectueuses. Donc, il n'y a pas, il n'y a jamais eu de, il n'y a jamais eu de problème. Tarzout, c'est un problème qu'on a voulu créer. J'ai l'impression au sein de il n'y a pas de problème entre Tarzout et Lounès. Je ne vois pas de problème. Justement, c'est pour cette force à travers parce que ça que tellement dégueulasse faire ça sur les réseaux sociaux. Juste la phrase Non. Tahar -ta Jaoud il avait beaucoup de respect il Younis. -nice. Le s'il -nice, est encore vivant, il peut témoigner. Mm. Je suis sûr du, du, du respect qu'il a pour Tahar Jaoud. Moi, j'ai connu un peu Tahar Jaoud, je l'ai fréquenté, il ne sait même de quoi même Tahar Jaoud. Je peux te dire qu'il avait un immense respect pour le -nice, Donc euh, voilà. Mm. Évidemment Tahar Jaoud aussi, il a il a mûri, il a évolué. le journaliste de 22 ans n'est pas celui n'est pas Tahar euh, d'après de, de, des années 80, des années 90, et tout ça. Donc non, mais mm. je peux témoigner que Tahar

ينفع ثامورثيس ان كي قلنا نازور اي فالونكوراج كان كيل سوا انا اظن لك ان تنكوراج لي زيكريفان يقول لك ان لي شونتور تو الموند باسكو اي كي ينفع ثامورثيس ينفع ثامورثيس دونك ينفع كيتشيني ينفع يقول لك ادني يمزق ثامورثيس دونك ذيني الان

Euh, littéraire euh, en termes de production, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, et... ça une culture orale, mais... Euh, voilà, non, euh, je ne sais pas quoi, archi architectural, non, etc. Bon, mais on euh, Ils ne nous ont rien laissé. Ils nous ont laissé que de la culture, si tu veux, un peu, qui relève de, de, des pays de ce qu'on appelle des peuples de, de, de la nature. Euh, euh, des peuples euh, euh, qui, qui, qui ont vécu comme s'ils avaient vécu dans l'isolement. Alors que notre peuple a connu tout. tout le bassin, dire tous tout les peuples du bassin méditerranéen. Ben oui. Mais le vrai, on devrait retrouver une culture. Oui. Maintenant, il est possible qu'ils nous ont laissé une culture très riche et que les envahisseurs ont balayé ces cultures. Voilà. Ça, c'est possible aussi. C'est une question qu'il faut se poser. Voilà. Donc, euh, mais euh, toujours tout, est-il qu'il y nous nous, de nous faire?

كنقارن قارن لا سوسيتي على لا سوسيتي ام ام مدان ام مدان سي تدير سان ستادي نسماتي لي ضلوفان سير ستادي نسماتي لي ادوليسون دير مزيان سير ستادي نسماتي لي ادولت سير ستادي نسماتي لي طمغارت نغدا مغار الا قنت توري لا سوسيتي اوسي كوم سا سنديس صوت لا سوسيتي نو دو بوان دو فيو جوستومون De, de, de son âge, du point de vue de son euh, niveau de développement. Hein? Euh, que ce soit en termes économiques, soit en termes so, so, euh, politiques, soit en termes culturels. C'est nécessaire. Mais le mécanisme est mal. Donc, il ne faut pas exiger beaucoup de choses aujourd'hui. Euh, avoir un génie comme Haït Mengilè, comme qui lui apporte, à mon avis, du nivellement. Du c'est-à-dire qu'il met la médiocrité de côté. Ça, c'est très important. C'est grâce à Itmegilev qu'aujourd'hui, on peut euh, plus ou moins trouver la, la ligne de démarcation entre ce qui est qualitatif et ce qui, est, et ce qui ne l'est pas, ce qui est médiocre. Mm. Quand on, on a des génies comme ça, ça, c'est mm. très important. Ça nous permet de juger, ça nous permet d'avancer. Donc, on peut.

Bien sûr, entre le message transmis et le message perçu, c'est pas toujours. Il peut y avoir une distorsion. L'artiste, l'auteur d'un texte à Dini-Laja, à partir de ce moment-là, ça ne lui appartient pas. Quand on a fait un texte, on a fait un texte. Quand on a fait un texte, on a fait un texte. Quand on a pas un texte, on a fait un texte. Quand on a il te, il te bouscule, il t'interpelle. Euh, mm. il moi, mm. moi, moi, je suis comme ça. Eh. Et d'une autre ben bah, non, je suis, je, suis, je suis désolé. Il faut, mm. puis, il faut, faire, un, faut faire. un effort. C'est ça. Et alors, justement, euh, ce qui est, 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 est bien chez Aurélie Demongeot, c'est pour ça qu'il a, c'est un niveau au dessus. Nick monsieur Oulard, on a fait des jeux de lettres. Quand tu, ce qu'on appelle les figures de style. Quand tu prends la chanson d'Uzmaigület, pratiquement tout ce qu'on appelle les figures de style, donc la métaphore, la métonymie, la ciné, enfin, je vais pas les citer, bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas. tu vas trouver. D'ailleurs, ce serait un bon travail universitaire. Absolument. Les figures de style dans la poésie de Lounis. Donc, tu vas trouver toutes les figures de style qu'on trouve dans la poésie universelle. Tu vas pas trouver ça chez tous les chanteurs kabyles. Donc, Ousmane, ben voilà, votre dans la fait un effort. Il a craqué, ça me suit le

Bien sûr, il y a des, il y a des poèmes. Euh, bah, mais, euh, le, tu prends le plus simple, Les Fables de la Fontaine, ça, ça renvoie à, 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 à une culture française. Tu prends n'importe quelle. Euh, je je citais Yanis Ritsos, c'est la culture grecque. Il y a toujours un arrière-plan culturel. Ben bah, oui, Mourtsindarat, Mourtsindarat, je suis dit, Deneret Mengilet, justement, la différence, il est inscrit dans l'universalité. Donc, Dzmoram, il y a des chansons, Lounis, de Al-Fagad, chantées en Kabyle. Mais quand tu traduis les textes, il n'y a, a pas besoin, justement, de connaître la culture kabyle, parce que, oui. justement, c'est inscrit dans lui. C'est un message universel. C'est-à-dire qu'il n'y a dictature, il n'y a de chine, il n'y a pas de chine, il n'y Et même des chansons sentimentales. Smith, c'est euh, vrai que je me suis amusé. J'ai traduit un, un couplet de la chanson « Bois de mener » d'Iwan Je traduis ça en français. Mais je suis bah, tu ne vas pas imaginer, ça part de la cabine. Ne, dans, tu vas donner ça à n'importe quel citoyen dans le monde, dans, du monde. Il peut se reconnaître dans ce, dans ce refrain. Donc C'est ça. à dire à la fois la chanson politique, la chanson sentimentale. Il y a des chansons sentimentales Léonis, bah, je veux dire, avec, avec de Onis. Quelle que soit la culture, quelle que soit la, la civilisation, euh, tout le monde. Mm -hmm. tout là, quant à l'arrière-plan culturel, bah, ça c'est valable dans toutes les cultures

tu, tu viens d'évoquer la, euh, la faiblesse de mémoire la défaillance de mémoire la la <laughs> <tengu> c'est à dire que sur la question de la poésie est-ce qu'il faut la comprendre ou pas la comprendre il y a toujours une part de mystère de chez un poète oui. chez un artiste et cette part de, de truc malheureusement elle lui, elle lui est propre, elle lui est intime tu ne peux pas et rentrer, tu ne peux pas y avoir accès. Euh, tous les poètes du monde, ça n'est que cette part de mystère, etc. Donc, il ne faut pas chercher, Yannick, vraiment, à décortiquer Yannick, euh, la, 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 la poésie de, de, voilà, de quelqu'un, d'une manière, Yannick, euh, détaillée jusqu'à... Mm -hmm. euh, en fait, il y a toujours quelque chose à creuser, et plus tu creuses, ça. plus c'est profond. Plus tu creuses, plus c'est profond. Donc, en fait, tu, euh, impossible d'épuiser... Euh, le euh, sens d'un sujet, ben oui. ou le sens d'un voilà, poème, oui, poème oui. ou d'une musique, etc. C'est très vaste. Mais ça permet de, le débat, ça permet de cultiver, ça permet d'éveiller les sensibilités, etc. C'est ça qui est très important. D'un enfin, autre côté, c'est quelqu'un qui est euh, intellectuellement. C'est très important il euh, euh, faut en tenir compte. Normal. Il faut en tenir compte parce que euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est stru euh, structuré euh, intellectuellement? Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui euh, dans l'inspiration, mal, euh, comment dire, elle est, euh, est, est anarchique. C'est une, une inspiration qui vient d'un esprit posé, paisible. Euh, un esprit euh, comment dire, producteur un esprit, c'est pas un euh, un, adlénien, un esprit désordonné indiscipliné, etc donc c'est un, euh, un esprit à la limite entre guillemets rationnel qui produit ce type de poésie qui produit ce type de voilà, de, 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 de choses donc c'est ce qu'il faut comprendre à mon avis dernier la, euh, la sensibilité c'est un, un, un un aspect très important euh, à discuter de, quand on parle d'Edmund mm. il est un coréen. C'est celui qui touche le plus le sensible de l'homme. Et Zareh a dit Et ça c'est ça c'est les grands poètes qui sont capables de faire ça. Très grands poètes. Mais

À travers la chanson de Lounis, on a beaucoup de choses à apprendre. Il y a la... au-delà de, 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 de la Kabylie, la sociologie de l'Algérie d'une manière générale. Il y a beaucoup de choses sur la culture que nous pouvons apprendre. Et puis il y a sur la psychologie, le rachier. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans Lounis. Donc il y a plusieurs manières de lire, de, ouais. de lire la poésie de Lounis. Et, et plus, on, plus on écoute, plus on découvre. Donc Lounis, c'est quelqu'un.

تمدياس تاع فين القاين غاديك شنا نوليس زين القاين صوت مازال هذا بوساندز دون هذا د نغال دنوغ د إذا مديت بسان كحلا شمس ورولا ميت جميت يوارقز ومزروي يوارقز نتقرأ ولا يوارقز نتسارثيث يوم مسلو صدق حجرة سيقبض الله عفور بثي قربة عفو قم ضيق دار رحمة ما زال غاد نغال غوار الخير سلنا رغضي لحقا دلات وشو تيس من مالي ليا الفاذ نجيسا كو دناعات نجيسا غضاك كو تسان تطينيس يثيك تنرز أنا عزي وشوت صدق حجرة سيديقا بجد الفاركة إيو خاميس يثوشو تيس يتدرثيس إمارة إي ثلثة كو بدوال الغافيت ما تم ديستينس تبو غلي غو سنقض امان الزمال ان مقل ام كيك سخدم لو نسات مكتا تثم ديستينس ذا مكيك سامة السوثي سامة اما دعنا تيك سلقاية دا سجهد ومسلاي اكزارا ديثم ديستينس ايوك نير اسبسا سيقو اين ديفان سيقول ايك تشم غرول تنمي ثم قرانتي مدو كرنا ومقرن قاسمي قلنا دقالنا تنمي ثم قرانتي